Yo les gars, comment vais-je? J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Nouvelle vidéo avec le sourire, la pêche comme d'habitude, la bonne humeur. Les gars, on commence par une devinette. Les gars, la question est toute simple. Mettez-moi toutes les réponses dans les commentaires pour savoir qui va trouver les bonnes réponses. Dans une course de voiture ça va super vite, à 1000 à l'heure, 5000 à l'heure, Ferrari, Porsche, ce que vous voulez, ça, ça roule. Vous êtes engagé dans cette course, ça roule. Dans cette course, il y a 10 tours, hein. 10e tour, c'est la fin, à la ligne d'arrivée. Vous arrivez en feu follet, un truc de fou, vous dépassez le deuxième, vous terminez combien? C'est pas compliqué. Réponse dans les commentaires, les gars. On va voir tout ça. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo en mode Road to G1. Alors, première chose, n'hésitez pas, les gars, allez sur le site Star Select pour acheter vos points FIFA. Donc, Star Select, voilà, vous n'allez jamais avoir de problème parce que c'est un site qui est 100% sécurité. C'est un site légal et votre compte sera jamais banni. Et avec le code Abdou, ABDOU en majuscule, vous avez 3% de réduction. Lien dans la description. Ensuite, les gars, autre élément, j'avais enregistré mes matchs en Road to G1. Malheureusement, ma caméra a bugué sur le rang. Et du coup j'ai toujours le gameplay, donc du coup je vais vous commenter le gameplay là et puis ensuite je vous présenterai ma nouvelle équipe. Du coup les gars, comme je vous disais, je vais vous commenter le gameplay parce que tout avait bugué, mais bien entendu les vidéos prochaines seront jouées en direct live, hein, ça buggera plus. Vous avez vu mon équipe qui est toute pétée avec Mamet Djouf, Slimani, avec Roro en 6. Là je joue contre GG Team, voilà, c'est un adversaire, c'est mon premier adversaire et pour le coup je vois il a une équipe assez faible, enfin c'est une équipe qui est comme la mienne. Et là pour le coup, premier but de Mamet Djouf qui est vraiment incroyable avec un 1-2, Slimani, ça déboule, ça va super vite, reprise de volée magnifique. Et du coup j'ai kiffé ce but parce que l'enchaînement était vraiment top et Mamet Djouf c'est un joueur qui coûte pas super cher et que je trouve vraiment bon pour un joueur de son prix. Et là les gars, on tente quoi, le lob du prof directement, cherche même pas à comprendre. Malheureusement le gardien la récupère et la prochaine action, Mamet Djouf qui accélère. Et là les gars, c'est une dédicace pour vous les gars parce que je vous ai le râteau, le lob du prof magnifique, ça rend temps. Première vidéo, premier match les gars, l'homme du prof avec Mamet Djouf, c'est un délire, ça m'a fait vraiment kiffer et je me dis putain, le retour du prof, enfin il revient, il va être présent sur beaucoup de vidéos. Ensuite le mec revient sur le 2-1, donc bravo à lui, hein, une belle série de crochets qu'il met, ça lui permet de revenir à 2-1. Après Roro, du coup je la donne à Slimani qui voit Djouf, voilà, on voit vraiment la bonne paire, il y a une bonne entente entre les deux et du coup ça me permet de marquer. Bon après bon, j'ai le trophée tête placée en même temps. C'était pas très compliqué, mannequin challenge, assez ridicule. Là par contre, voilà, regardez cette frappe de ouf. Quand je vous dis que Mamet Djouf, les gars, il est cheaté. Je vous jure, il est vraiment cheaté pour le prix qu'il coûte. Quand vous débutez sur Twitch, je vous le recommande. Regardez la frappe que j'ai mis en pleine lucarne, c'est un truc de malade. Et là encore, on continue. L'appel de décalage et là, la petite pichette, c'est un délire. Après, je le reconnais, bien entendu, je joue pas contre le meilleur des adversaires. On est d'accord sur ce fait-là. Mais en tout cas, Mamet Djouf, les gars, je vous dis, je suis agréablement surpris. Et là, du coup, les gars, prochain match, je joue contre MCALG. Grosse équipe comparée à mon équipe vraiment claquée. Lui, il a du Vardy, Mahrez, Mané, Smalling, Sanchez, Renato Sanchez qui a été prêté à Swansea également. Et là, du coup, on voit vraiment tout de suite la différence. Les gars, j'arrive pas du tout à tenir. C'est super compliqué. Ça va trop vite pour moi. Et je me fais piéger dans le sens où j'avais une équipe vraiment trop faible. Même si je tente là avec Mamet Djouf, une petite frappe. Là, malheureusement, je vais la donner à défaut. Enfin, elle va me retomber dessus et je tire pas assez fort. Alors que j'aurais même dû marquer. La coup franc, je vais la jouer en combinaison à 3. Je fais partir un joueur, j'en fais partir un second. Et pour le coup, je la donne à mon joueur. Il frappe et malheureusement, le gardien sort bien dessus. Je suis pas du tout chanceux parce que voilà, je manque de réalisme. Et là, pour le coup, voilà, belle frappe de sa part. Assez compliqué pour mon gardien de la sortir, mais il la sort quand même. Là, j'ai de la chance. Il la met à côté, je sais pas comment il fait d'ailleurs. Et là, c'est pareil. Il peut la mettre en faisant un double rond. Mais malheureusement, il décide de faire la passe et malheureusement, ça passe pas. Et là, j'ai pas compris mon défenseur. J'ai pas compris mon défenseur, il s'est barré comme une fiotte. Mais bon, ça rentre pas, on a de la chance. Et là, je le tue avec Walcott. Je frappe largement au-dessus, je comprends pas. Des fois, je tente des frappes, la balle elle vole au-dessus. Là, l'enroulé qui rentre pas, je perds 1-0 malheureusement. Donc du coup, la fin du match va être sifflée. Je sais pas si je vous ai montré le but. Si ça n'a pas été le cas, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est un but en frappe croisée, hein. Désolé, ça a dû louper, mais c'est un but en frappe croisée. Et là, les gars, dernière action. Voilà, je la tire à 3, je fais partir lui, je lui donne, je vais égaliser. Et là, non, elle rentre pas malheureusement. Le gardien qui la sort bien et c'est un délire. Donc du coup, les gars, c'est normal de perdre comme ça parce que j'ai pas l'équipe qui est taillée pour. Faut que je la change absolument, sinon ça va être très très compliqué. Donc on va changer tout ça, les gars. Je vais vous montrer ma nouvelle équipe tout de suite. Du coup, les gars, j'ai été obligé de changer mon équipe parce que sincèrement, c'est pas que c'est un joueur. On peut faire des choses avec l'équipe avec laquelle je joue, notamment avec Mamet Djouf qui est vraiment chaud. Enfin, moi, je me choque vraiment beaucoup pour un joueur qui
qui coûte très très peu de crédit. Il est assez puissant, il a la vitesse qu'il faut, il a 82 de vitesse, mais après le reste c'est très limité. Du coup, j'ai avancé sur mon équipe, j'ai vendu des joueurs, j'en ai racheté d'autres, j'ai ouvert quelques packs. Et là les gars, on part sur de la française classique. Donc voilà, comme vous voyez ici, alors là pour le coup je suis en 4-4-2, mais bien entendu quand le match débutera, je passerai en 4-2-3-1, voire en 4-3-2-1 peut-être, tout dépendra. Mais en tout cas au niveau de l'équipe, voilà, on est sur du classique français avec Mandanda au goal qui est très très bon. Enfin moi j'aime beaucoup Mandanda au goal. Après il y a mieux pour les mecs qui jouent de façon plus compétitive, mais Mandanda pour débuter c'est très très bien, ça fait vraiment le taf. Après Koscielny, Umtiti, l'idée c'est peut-être de remplacer un des deux joueurs par Varane avec le temps, mais en tout cas Koscielny, Umtiti c'est très bien. Roussillon, petite perte, qui est très très bon à gauche. Semedo à droite, hein, de la vitesse, 80 en dribble pour un latéral, c'est pas négligeable du tout. 61 en physique, on lui demande pas d'avoir plus sur notre latéral. Ensuite Dembélé, classique les gars, 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied. Dembélé les gars, en mauvais pied, c'est n'importe quoi. Il m'avait sorti une pépite en clash d'équipe, parce qu'il met une frappe extérieure, pied gauche en pleine lucarne. Bon après, en soi il est gaucher, donc c'est un peu normal, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un joueur qui est très très bon. Ensuite Tolisso en milieu que je mettrais, MDC, Cyprien avec lui-même. Alors bien entendu l'évolution ce sera au fur et à mesure d'avoir la paire Bakayoko Kante, ce serait vraiment top parce que c'est vraiment deux joueurs qui sont très très bons défensivement. Ensuite, Martial la base en classique, en Martial, 91 de vitesse, 85 en dribble, j'ai même plus besoin de le présenter parce qu'il a vraiment des stats de Barjo. Donc voilà, je le mettrais à gauche, en milieu gauche, voire en AVG, donc en avançant entre gauche sur un 4-3-2-1. Et pour le coup, là, Gamero, Ben Yedder. Alors Gamero, joueur que je vous recommande quand vous n'avez pas beaucoup de sous sur FIFA Ultimate Team. Alors au-delà de ces 3 étoiles de technique, c'est vraiment un joueur qui fait l'affaire, honnêtement. Il a une belle frappe, 83 tirs, c'est très bien. Il a 87 de vitesse, ça va vite, etc. Après Ben Yedder, 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles mauvais pied, c'est un délire. Et pour le coup, moi là je le mets à droite parce que j'ai pas besoin d'enrouler avec lui, dans le sens où il a 5 étoiles en mauvais pied. Donc du coup voilà, et pour le coup, Gamero à gauche pour les plaques du pied, c'est toujours beaucoup plus simple. Après, je fais le double rond, enfin le double tir quand, pour marquer des buts. Donc voilà les gars, je vais jouer des matchs avec cette équipe-là, histoire que vous voyez vraiment la différence. J'ai joué en clash d'équipe avec, c'est un délire, je joue en légende pour le coup. Donc voilà, les gars, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les gars, le site Star Select pour acheter vos points FIFA, site 100% sécurisé. Vous aurez aucun problème, votre compte sera jamais banni, et avec le code Abdou, ABDOU en majuscule, vous avez 3% de réduction. Les gars, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. On fera du pack opening, etc. On va jouer des matchs, et puis voilà, les gars, ciao, ciao, c'était Abdou, prenez soin de vous, ciao, ciao, les gars, comment on va y